Comment réaliser un générateur PWM à fréquence variable à partir d'un SC Timer 555? Voici notre schéma. Il est composé du 555, d'une source d'alimentation. J'ai mis 4 condensateurs pour avoir le choix de gamme de fréquence. On a une dip switch qui contrôle les 4 condensateurs. On aurait pu en mettre 6, 8, selon le dip switch et selon le jeu de gamme de fréquence qu'on veut obtenir. Notre P1, qui est un potentiomètre de 20K, nous donne un ajustement fin de la fréquence. C'est-à-dire qu'en position 2, C2, 100 nanofarads, nous donne une fréquence de 87 à 119 Hz. Environ, à 50%, va nous donner environ 100 Hz. Notre potentiomètre P2, qui est un potentiomètre de 100K, va nous donner une symétrie ou une asymétrie entre le temps on et le temps off des pulses. À 50% de duty cycle, on devrait avoir une pulse avec un temps égal on et off. Notre fréquence dépend du calcul des condensateurs ou du condensateur qui est utilisé, de notre potentiomètre P1 et de nos résistances R1 et R2. Voici au scope ce que ça nous donne. Donc, lorsque notre duty cycle, notre POT 2, est à 50%, on a un temps égal on et off. Si on réduit notre duty cycle, notre temps off s'allonge. Et notre temps on diminue. Inversement, lorsqu'on augmente notre duty cycle, par exemple, à 100%, on va avoir une pulse on plus longue que la pulse off. Si on met notre résistance à environ 50% de notre fine-tuning, on devrait obtenir une fréquence autour de 100 Hz. On peut voir ici. On peut changer notre fréquence, notre gamme de fréquence, en commutant tout simplement un autre condensateur. Donc, on vient de passer de 872 Hz à 1.18 kHz parce qu'on est rendu sur notre condensateur C3. On peut toujours régler notre duty cycle. Si on joue un petit peu avec notre potentiomètre, on devrait pouvoir aller chercher précisément 1 kHz. Voilà pour le générateur d'ondes carrées PWM à fréquence variable. Schéma facile à réaliser, très peu coûteux. J'espère que ça répond à ta question. Je te dis au revoir et à bientôt. Merci de votre attention.